L'image du marathon de Toulouse, c'était hier, la 8e édition, plus de 6000 inscrits au départ, vous le voyez sur ces images, toutes catégories confondues évidemment, et un Kenyan à l'arrivée, Raymond Kemboi, qui a parcouru les 42 km 195 en 2h, 10 minutes et 59 secondes, ça fait rêver, à seulement 6 secondes du record de l'épreuve toulousaine. Mais la grosse surprise est venue des femmes, une course de folie remportée par Sardana Trofimova en 2h, 28 minutes et 18 secondes. Dans la foulée de la Kenyane Gladys Kipsoy, la Russe s'est échappée au 30e kilomètre pour finir toute seule avec un temps de référence mondial. Et puis il y a les vainqueurs et il y a les autres, ceux qui terminent, mais plus dans la souffrance, en plus de 4 heures pour franchir la ligne d'arrivée sur la place du Capitole où le thermomètre est monté jusqu'à 25 degrés hier. Le dernier participant est arrivé en 5h 58. Bravo en tous les cas à tous les coureurs et rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du marathon.